n'a pas pu, grâce en raison d'une faiblesse de jambes, réceptionner parfaitement son acrobatie. Klemen Bedenik pour la Slovénie. 2 Slovènes en finale des parallèles. Et ensuite, sans doute, peut-être le meilleur d'entre tous de ces finalistes, l'Italien Boris Preti. Ah, voilà. Les deux mains par terre à la sortie double saltoïa regroupée. C'est le deuxième concurrent donc, de la Slovénie, nation qui nous a surpris énormément, je le répète, parce que c'est une nation qui bénéficie de très peu de moyens et qui arrive à présenter des gymnastes d'une bonne qualité. Voilà, on revoit la faute.